aujourd'hui une petite vidéo tuto pour vous montrer la réalisation de cet habillage. Habillage dit à délestage rapide. Donc il nous faut un briquet, de la paracorde, un anneau brisé. On va procéder par étapes. La première étape étant la réalisation de ce nœud. Je passe la paracorde. Dans cette configuration-là, je vais réaliser deux tours, comme ceci. Un premier. Quand j'ai fait le premier, je continue un deuxième tour en remontant vers l'anneau brisé. Voilà. Quand mes deux tours sont complets, je me retrouve dans cette configuration-là en fait. Le but du jeu maintenant est de passer le bout de la paracorde à l'intérieur de ces deux boucles, de ces deux tours, on va dire. Ici avec ma main, je vais essayer de resserrer la corde ici là pour pas perdre trop de matière en fait. Je serre gentiment, voilà. Donc le nœud est réalisé. À titre d'info, donc là c'est pareil, c'est une chute de paracorde que j'avais là, il y a 90 cm de paracorde. Je positionne la base du nœud en bas du briquet. Je réalise une boucle. Hop. En gros, la base du nœud ici, le haut de la boucle en haut du briquet. Comme l'anneau est sur cette partie de la corde, je vais attaquer l'habillage en passant par-dessus, dans ce sens. Je serre pas trop, parce que si on serre trop en fait, on crée trop de résistance et ben, du coup le délestage rapide il devient un délestage très compliqué. C'est un peu vite le bazar et on n'arrive pas à défaire la paracorde comme c'est souhaité. Donc quand j'arrive ici en fin de, je n'ai pas envie de dire tressage, parce que c'est pas un tressage, mais d'habillage, je passe donc le bout de ma paracorde dans la boucle qui me reste en haut. Une fois que c'est fait, je tire doucement en bas sur la partie anneau brisé pour resserrer ici. Je repositionne, je mets bien correctement ma paracorde. Là ici, je pourrais recouper, rebrûler un petit peu. Alors si vous le faites, faites attention à ne pas faire en sorte que ça fasse une grosse boule, ça va faire forcément une retenue, on ne pourra pas le défaire facilement. Et au pire, vous risquez de le coller sur le briquet ou sur la paracorde. Et alors là, bon, mais ça ne marchera pas, quoi. Forcément, ça va être compliqué. Donc une fois que c'est à peu près propre ici, que ça paraît assez simple à défaire, je resserre tout doucement, je maintiens la corde, je resserre et je prépare ici le passage de la paracorde. Voilà. Donc dans cette configuration là, le briquet est habillé, donc je peux remonter si je veux la corde, mettre ça dans mon kit de feu, dans une poche, laisser dans la voiture et comme ça disposer de paracorde dès que j'en ai besoin. Pour le délestage, il n'y a rien de compliqué. Je saisis l'anneau brisé. Je maintiens le briquet et un peu sans trop serrer, donc toujours pareil la paracorde. Je vais tirer. Alors je vais essayer de tirer doucement pour vous montrer le rendu. Voilà. Là ça vient doucement. Voilà, bien sûr, je fais tout arracher. Et voilà. La paracorde se défait toute seule. Tout doucement ou vite, hein, j'aurais pu le défaire en 2 secondes. Et on se retrouve avec, donc je vous l'ai dit, 90 cm de paracorde prêt à l'usage, avec un anneau brisé en bout s'il faut accrocher quelque chose dessus ou autre. Donc voilà, c'est assez pratique de disposer à la fois d'un moyen feu et mais également d'un bout de paracorde. Voilà, pas tout à fait 1 mètre, mais bon, ça permet déjà de bricoler quelques trucs avec. Je vous dis à très vite en espérant que ça vous a plu. Et prenons soin de vous et des vôtres, et à bientôt.